Marseille n'a pris qu'un point en deux matchs. Lorient, son adversaire, a perdu ses deux premières rencontres. Déjà un petit peu de pression sur ces deux clubs et surtout sur l'OM à domicile au Stade Vélodrome. Des Marseillais qui se présentent avec quelques atouts comme Lassana Diarra qui porte le brassard de capitaine. Florian Thauvin est là, Bafé Gomis en attaque avec Aaron Leia Iseka, 18 ans, le petit frère de Michy Batshuayi. En face, Lorient a des soucis, Ndong et Jeannot ont pris des cartons rouges et sont suspendus. Lotoa et Sylvain Marvaux sont toujours absents, mais Majid Waris et Benjamin Moukandjo forment l'attaque pour l'équipe lorientaise. L'ouverture du score est assez logiquement pour Marseille. Le coup franc direct de Rémi Cabella. L'entame de match a été bonne pour l'OM. Beaucoup de volonté et Cabella qui transforme tout ça au score. Le coup franc direct, Benjamin Lecomte qui est trop court. 1-0 pour Marseille à la 19e minute. Les Marseillais qui espèrent se libérer grâce à ce but. Bedimo, Diaby et Alessandrini sont blessés, mais l'équipe de l'OM tourne plutôt bien. Bafé Gomis peut-être pour son premier but sous les couleurs de Marseille. Il tire directement sur Benjamin Lecomte. Marseille qui continue à se montrer à la hauteur avec cette balle dans la surface. La reprise de la tête de Gomis. Toujours Lecomte pour la capter. En première période, les Lorientais ne sortent pas du tout de leur moitié de terrain. Ils ont beaucoup de difficultés à trouver des solutions. Marseille est donc assez tranquillement installé sur le terrain et mène 1-0 à la mi-temps. Lorient a déjà encaissé avec ce but de Cabella son 7e but en 3 matchs. C'est beaucoup pour la défense des Merlus. Dès le retour du vestiaire, c'est un petit peu mieux pour la formation de Sylvain Ripoll. L'activité de Walid Mesloub, de Romain Philippotto et d'une recrue, le Portugais Miguel Cafu, commence à se voir. Marseille répond par des coups de pied arrêtés, notamment celui de Florian Thauvin. Le ballon est bien sauvé par Lecomte. Et Lorient réussit enfin à transformer ses meilleures intentions en occasion avec Cafu tout seul pour la reprise. Belle sortie de Johan Pelé qui écarte le danger. L'égalisation n'était pas très loin. Les Bretons s'enhardissent et Marseille joue des contre-attaques. En voici une intéressante avec Cabella, déjà buteur, qui se transforme en passeur et un passeur décisif car Bafé Gomis va au bout. Et l'ancien Lyonnais, l'ancien Stéphanois qui réussit à marquer son premier but officiel sous les couleurs de l'Olympique de Marseille. La Panthère est bien là, ça fait 2-0 pour l'OM à 20 minutes de la fin du match. C'est le coup de grâce pour une équipe de Lorient qui a eu sa chance pour égaliser. Mais un match compliqué pour les Bretons. Marseille réussit à gagner son premier match de la saison. 2-0 contre Lorient.